toujours dit nous ça, nous ne doit pas croire. Colonel Imler Rebu, les messieurs ça a parlé, les taux ça a parlé. Eh bien, moun prend plaisir pour tendre parce que c'est pas on est qui parle pour parler, c'est pas on est qui parle comme ça. Et c'est une raison qui fait moun toujours envie tendre colonel Imler Rebu qui sont anciens ministres dans le pays d'Haïti, anciens officiers de l'armée d'Haïti, ça veut dire son qui a une carrière à divers autres types, messieurs ça passe dans le pays qui ne peut-être pas songer. Eh bien, colonel là, je dis a fait un pile gros révélation surtout sur ça qui est passé en dans prison. Kwadèboukè, mesdames et messieurs, nous sommes une quantité de catastrophe qui était faite dans le jour ça, et bien nous allons inviter au détail. Et puis dossier assassinat président Jovenel Moïse, dans tout dossier et donc mercenaires en pile causé pour parler en dans vidéo ça nous allons faire entendre et nous connaissons colonel Imler Rebu, lui même il pas jamais parler sans pas connaître qui ça l'a dit. Et c'est un nèg qui toujours eh bien qu'on est salabdia yon façon pour nèg pawe en balle et eh bien nous pral faire des déclarations, nous pral faire des secrets pour le dévoiler en dans vidéo ça sur des gros points ça qui fait en pile actualité dans le pays d'Haïti, prison Kwadèboukè t'écraser ou bien invasion t'es gagné et puis assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 qui se passe là dans Pélérin, résidence officielle président et c'est là mercenaires et haïtiens vagabond tigran bou nèg sale yo vinn touyer président Lakali. Et bien nous allons faire des déclarations ou bien intervention avec réaction colonel Imler Rebu. Mesdames et messieurs, restez connectés, pas oublier se faire connecter sur canal ça ou sur TV Lakali, canal information, abonnez, like, partagez, n'a tourné à travers le monde qu'on habitué gain des tentatives d'évasion dans prison ou pas cap dit son bail normal mais son bagage qui prévisible tout. Maintenant, l'ombre qu'on s'est fait dans le milieu côté mounio a évolué dans leur quotidien. Ça vient poser un problème au point que dans la réalité, il y a un pile monde qui perd la vie tout simplement parce que était dans la zone prison. Donc, son premier aspect, côté prison située. Deuxièmement, côté local, là, ça ne veut dire que le local n'est pas capable de servir non, pour garder les gens qui ont pour puger des peines, etc. Mais on dit par exemple, un local comme ça, servir pour garder des mineurs, pas des criminels endurcis comme ça. Soit on dit que vous ne pouvez pas craser le local là, ou vous ne pouvez pas réaffecter. L'idéal aurait été que le pénitentiaire a fait dans une zone qui est assez isolée. Son premier facteur là, c'est situer building là, dans le rapport gagné avec le monde social qui entoure. Donc, premier bagage, il n'est pas bien placé. En tout cas, même si le TAC a affecté à service pénitentiaire, typologie criminelle, en fait, monde qui a fait pénitentiaire, là, a fait pour le TAC changer. Deuxième bagaille, le base pour gagner des criminels, de monde qui condamnés ou bien de monde qui en prison pour des crimes extrêmement importants. L'idéal, c'est que l'État isolé de des espaces où capable de plus d'espace physique pour capable un meilleur contrôle. Maintenant, il y a aussi la filiation qu'il y a entre les gens qui sont emprisonnés et les gens qui sont au dehors. Qui gens contrôlent le fait, qui gens viennent visiter. Parce que qui s'en constate, le prison est fin crasé. Vous remarquez qu'il y a un pile prisonnier qui a des armes, qui a des munitions. Maintenant, comment vous faites des armes avec munitions pendant un espace pénitentiaire? Ça veut dire qu'il y a un déficit dans le contrôle, dans la surveillance, dans l'échange qu'on fait entre l'extérieur et l'intérieur. Et nous ne sommes pas capables de tenir compte tout de l'association qui gagne avec un pile de monde qui a une activité criminelle, avec des gens qui ont une structure sécurité pays. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la police, tels que Nab Vivlin a fait kidnapping la première, qui ou bien dans la police effectivement, ou bien par négligence la police, qui t'a habillé en uniforme la police, de toute façon qui ont un rapport avec l'État ou appareil sécurité l'État avec des bandits et des criminels. À partir de ce moment, sont l'autre problème qui vient poser. Les liaisons qui gagnent entre deux mondes qui sont dans l'État, deux mondes qui sont dans l'État, qui parlent encore, grand pile cas de policiers qui agissent souterrain, c'est des gens qui étaient dans la police, qui révoquaient, qui pas dans la police encore. Mais négligence faite, ils n'ont pas pris des amis, ils n'ont pas pris de matériel, ils n'ont pas pris d'équipement. Et les habillés dans l'arrière, on ne sait pas si c'est bon la police ou pas. Donc ça, c'est le système d'inspection générale là que tu as pour résoudre le problème. Ça. Donc même moi, il y a tout aspect ça vous tenir compte. Premièrement, espace côté prison situé. Deuxièmement, typologie et criminelle que vous mettez là derrière. Et puis très certainement, relation aussi qui gagne entre deux mondes qui dans les appareils sécurité de l'État et deux mondes qui sont même dans les activités criminelles. Jovenel Moïse, t'es tellement tout déshabillé au départ. Oui, c'est vrai. Parce que ça arrivait après Périloc. Non, c'est pas Périloc là qui vient déshabiller. Ce n'est qui déshabillé depuis avant le monter au pouvoir. Très bien. Donc, avant même investiture. Maintenant, c'est costume, cravate, chemise. Monsieur, on ne peut pas parler de sous-vêtements que le pas de gain sur lui du tout. Correct. C'est lui-même qui fait que vous êtes capable de demander de faire n'importe quoi et puis le bail sans prix, sans rien. Là, pour négocier. Faut chita son bagay. Oui, faut qu'on baille dans mon. Donc, monsieur parti avec un pile déficit personnel au départ. Le dit, monsieur fait tel bail, il n'y a pas de possibilité. Écoute, par exemple, où est crise Nab Vivlin, tu comprends son bail qui va résoudre, etc. M'da souhaite un pile de. Comme inévitablement, tout le monde qui chef dans le pays a coûté matin débat. Très bien. Et a coûté ça n'a dit. Oui, c'est clair, et ça n'a dit apprêté. Quand en politique, tu deviens un obstacle. Qu'est-ce qu'on fait d'un obstacle quand on doit passer? On l'évite. On le met à côté. Okay. Le président Jovenel Moïse est un obstacle qui a été mis à côté. Okay. Toute saleté dit la fait. Parce que qui ça américain besoin? Il a besoin de conditions créées pour l'élection qu'a faite. Pour l'élection qu'a faite, vous mettez fausse épée. Ou pas capable faire un pas en avant. Tout route ou pas marcher ou pas capable réunir conditions pour faire l'élection. Donc mon j'aime pour ça me serve avant. Et on démarche vers une nouvelle constitution qui va aboutir. Maintenant, le par exemple, alors gain des cap régler, alors on va retourner sur bail là, sur Haïti, sur avec l'argent. Quand tu dois comprendre la criminalité, le déséquilibre social et politique, il faut chercher où est l'argent. D'abord. Il faut chercher l'argent. L'argent, c'est clair. C'est la route de l'argent. Alors imaginez tout kidnapping qu'a fait là-haut, c'est nous, dans la ville, dans le village de Dieu, comme ça, on va dormir là. Faut regarder comme ça. Maintenant, avant d'arriver là, colonel Imler Rebu, on nous fait une parenthèse Venezuela, quelles leçons, en fait, peut-on tirer de tout ça? Nous-mêmes à Haïti, nous-mêmes politiciens, nous-mêmes analystes politiques. Quelles sont? Là, pour parler de gros bagages, ça, il faut un miracle éternel t'a fait pour t'a faire une nègre qui propre arriver au pouvoir en Haïti. Il faut un miracle pour t'a faire pour t'a faire une nègre qui propre qui droite qui arrive au pouvoir en Haïti. Ou après tout donné, t'as changé même côté. Parce que les États-Unis lui-même, quel que soit le niveau qu'on y est, l'a négocié avec vous. L'a négocié avec vous normalement. Maintenant. Si vous ne pas mettez en position pour négocier, si par exemple vous mettez en position pour négocier pour 3 gouttes, vous ne parlez pas de 3 gouttes d'abord. Mais si vous mettez en position pour parler de $300 000 américains avant, vous ne parlez pas de $300 000 américains avant. Ça dépend de qui j'envoyez. C'est quand vous êtes là, j'en viens, c'est conseil à recevoir, c'est mot de parole là, pas l'avant. Maintenant, il est très clair que, et au même tout, pour eux qui n'ont pas de difficultés de vraies négociations, par exemple, même à Faoué, on a répété toute la journée Haïti pauvre là. Mais c'est un fait et fait lié. Et puis nous croyons là-dedans. Nous croyons là-dedans. C'est parce qu'on croit dans la pauvreté, oui, qu'il ne faut pas chercher les ressources pour mettre en valeur. Parce que la richesse que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est le travail. Le travail pour le bon cop, c'est scientifiquement pour faire. Alors imaginez si Haïti était prédisposition, l'étape développer secteur et tout ici, l'étape développer toute plage de Grand Haïti, qui t'a capable avec. Donc nous avons des richesses que nous ne sommes pas capables de transformer en opportunités. Nous pas même connaître ces richesses, nous avons marché sur nous, shooté, moi même visité tout le pays de fond en comble. Par exemple, nous avons regardé qui ça les États-Unis et le Canada. Et l'Occident en général a fait nous. Je dis à 3 cas cerveaux en Haïti ou besoin qui vont pouvoir chercher. Là-bas, bouge nous. Donc, l'on regarde toute qualité performance haïtienne qui ça fait. Ils n'ont pas créé conditions pour que soient capables de venir là. Parce qu'on a 6 qualités cerveaux venir là, données à changer. Donc, ça veut dire que, donc, Venezuela, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, Maduro, pas jamais capable d'engager le rien avec les États-Unis sans. Non, c'est un deal qu'a fait entre Maduro et Poutine d'abord. Parce que, faut admettre que l'orgon est vous connaissez, n'est pas en mon lié. Et Will Welvin de la ville manger avant la caillou. Mon cher obligé mettez même madame qui a fait manger, obligé de manger. Bien, bien, bien. Il faut voir si c'est madame qui a fait manger à vrai. C'est clair. Vous comprenez? Donc, son bon bagaille que vous ouvert tu fais sur le Venezuela, c'est ça le pragmatisme politique de la part des États-Unis. Parce que, et pas oublier, mais si vous comprenez que Venezuela après le bail au passé, pour qu'il pèse le coup Poutine pour lui, il faut mauvais calcul. Et même si on fait l'argent que la Calia, l'argent, alors les dîmes que la Russie pourrait disparaître parce qu'elle n'en compte avec l'Occident, peut-être l'Ukraine. L'Ukraine qui est victime dans le là, et elle n'est pas victime physiquement. D'ailleurs, si Poutine a fait une guerre contre le peuple ukrainien, tout le monde dit qu'on ne peut pas encore. Et d'abord, il descend au rasé. Ouais, c'est eux-mêmes qui ont joué des espaces pour créer des couloirs pour évacuer les gens. Mais ce qui est clair, ou pas toute demande essentielle que le président ukrainien a demandé à refuser. Parce qu'on connaît, et Poutine dit, si nous yon rentrons dans bagaille ça, nous connaissons réponse là. Et pas gagne yon qui prend chance. Et c'est ça que les Américains, chaque fois qu'ils sont intervenus, ils disent, ils ont fait tout le pour aider l'Ukraine, mais ils n'ont pas voyé soldats. Ou est président, ou est secrétaire d'État américain en Europe, ils disent non. Monsieur Mandé, un couloir aérien, nous connaissons que nous pas nous envoyer avion, nous n'espace ça. Parce que nous dès que vous faites, c'est la guerre nucléaire. Donc, monsieur Pralfonjan, il y a venu entente. Bon entente Capjouen quand même. Bon entente Capjouen. Et le président ukrainien a passé dans perte profit. Perte profit. Oui, perte profit. Les deux gonnés qui ont même comme petit ou al même pas les négos, a viré 20 négos, a fini par frapper. Maintenant, ce qui est clair, et les États-Unis pas rentrer dans la guerre finale là. Premièrement parce qu'ils connaissent pas capable et ont une responsabilité mondiale sur question ça. Poutine pas capable faire back, c'est pas back qui va taper nous comme être humain. Il pas capable faire back et les sous position de force celle ça il va le négocier. Maintenant Maduro lui-même s'il capable nous tiber pour le passer sous peine en compte grand négio. Est-ce qu'on prévoit que en fait dans ce cas-là comme Poutine pas capable faire back est-ce que il est capable de venir et mettre un gouvernement pro-russe en Ukraine? Monsieur le disait carrément au départ. Et c'est ça qui pral fini pas fait, oui. Peut-être pas à sa totale satisfaction, mais ce qui est clair, quand où elle déjà pral organisé, maintenant il faut établir une carte et géographique et une carte militaire pour comprendre stratégie d'approche qu'il fait pour le rentrer en Ukraine. Ouais, jusqu'à présent, elle va jamais rester Kiev. Ouais, jusqu'à présent. Mais tout côté important pour lui, il fin cerclé, il fin gain contrôle déjà. Route dans la mer Noire qui permet toute évacuation, tout produit en acier, en céréales que l'Ukraine fait. Il prend contrôle lui. Déjà. Depuis quand elle rentre dans la pointe de la mer Noire là, ça a besoin stratégiquement de fin contrôler et on n'est pas capable de prendre la mer. Maintenant et bagarre a fini forcément non négociation. Il n'est pas capable d'aller plus loin et moi, jusqu'à présent, pour dire qu'on est méchant, parce que si le méchant, il a été coupé sous l'Allemagne. Et pas oublier que l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe. Donc, il n'est pas capable de quitter l'économie de la ville. Et nous allons faire toute une série d'aménagements pour sortir, pour retirer, desserrer les traites économiques là-bas. Par une série de décisions politiques. Donc, tu as dit que politique, c'est d'abord dimension. Ouais, il faut une dimension. Il faut préparer. Il faut préparer intellectuellement. Il faut préparer patriotiquement.